partageant toutes les énergies du tennis dans Roland Garros et moi avec Engie. Et moi, j'étais un joueur physique, ouais. Techniquement, j'étais ordinaire, limite nul, par rapport à ce niveau. Hein. J'avais un bon service, mais j'étais physiquement, par contre, je cavalais tout le temps. Je courais tout le temps, je faisais footing tout le temps. Allez ! Agressif sur les appuis, là ! Agressif ! Une journée de repos, c'est minimum 45 minutes de footing, abdo-pompe. Ça, c'est quand tu fais rien, quand t'es en vacances. Et Joachim fait ça aussi, maintenant. Et puis, comme on est des malades, il faut se faire mal. Et puis, si t'as pas mal, c'est que tu t'es pas bien entraîné, quoi. Avoir mal. Si t'as pas mal, tu transpires pas, tu bosses pas. Et puis, tu repousses tes limites, tout le temps. Il y a eu un moment où j'étais en demi-finale contre Roger Vasselin. J'ai fait un smash, j'ai jamais sauté aussi haut. Au moment où j'ai fait, je me suis dit, putain, mais je suis resté longtemps là-haut, là. J'ai servi, là, il a fait un retour. Slicé, donc la balle est restée, je sais pas, un centième de seconde plus haut. Il y a une espèce de coup de vent, la balle elle est restée au moment où je sautais et la balle m'a tiré vers le haut et j'ai fini un extra coup de rein et je suis allé très très haut. Et j'ai tapé toutes mes forces, la balle a tapé, elle est allée dans les tribunes. C'est l'instant où j'étais le plus en forme de ma vie, ce coup-là. Engie, partenaire énergie de Roland Garros.